Good morning, allez, Idaïn, et je serai aujourd'hui le Nishmat avant Mordechai ben Yitzhak, Bevani, David ben Forfou, le Mazal Fritna, et Dvorah bat Esther. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contre les 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Ketubot Perek Yud Gimel, Mishnah Bet. Mishalach Limdinat Hayyam, Ve'amad Echad, Upirnes et Ishto, Hanan Omer, Ibed et Marotav. Nechleko Alav, Bene Kolonim Gdolim, Ve'amru, Ishava, Kamaotzi, Ve'itol. Amar Bidosa ben Arkinas, qui dit Vrehem, Amar Hanan ben Zakai, il a fait Amar Hanan, Niniach Maota, Val Keren Azvij. Je traduis d'abord la Mishnah qu'on explique tout, Bezrat Hashem. Mishalach Limdinat Hayam, on a quelqu'un qui est parti à l'étranger. Et Ve'amad Echad ou Pirnes et Ishto. Imaginez, on va mettre la scène un petit peu mieux. On a passé les 3 mois qu'on avait évoqués dans la Mishnah précédente, où quelqu'un qui part, même à l'étranger, il laisse le quoi pendant 3 mois en général. Mais passe les 3 mois, le mari ne revient toujours pas. La femme, au lieu de partir au Beit Din pour réclamer qu'on fasse une saisie des biens pour qu'on nourrisse, parce que le mari a un devoir de nourrir sa femme, eh bien, il y a un cher voisin qui se porte volontaire pour Ve'amad Echad, un se tient pour, ou Pirnes et Ishto, nourrir sa femme. Toutes les semaines, il lui amène un petit colis, il y en a pour 200 shekels, un petit colis avec un peu de viande, un peu de pain, un peu de lait, un peu de ce que vous voulez, de quoi se nourrir pendant une semaine. Et chaque semaine, il vient et il lui amène. Après 4 mois supplémentaires, débarque le mari, ça fait déjà maintenant l'équivalent de 16 semaines, 4 de 200 shekels, ça fait l'équivalent de 800 x 4, 32, 3200 shekels, il vient et il dit, facture, tu dois me rendre maintenant 3200 s'il te plaît, c'est ce que j'ai payé pour nourrir ta femme, pendant que tu n'étais pas là, tu es parti sans rien laisser, au lieu que la pauvre, qu'elle aille au Beit Din et qu'elle, j'ai eu pitié d'elle, je le donnais directement, j'étais sûr qu'elle allait me rembourser, non? Eh bien, figurez-vous que Hanan Omer, Hanan enseigne que Ibed et Marota, le cher ami, a perdu son argent. Pourquoi? On va expliquer. D'abord, je traduis. Nechleko alav Kohanim Gdolim. Les Bnei Kohanim Gdolim, les enfants des Kohanim Gdolim, c'est un groupe de Talmid Chachamim du Yerushalayim, du Beit Hamikdash. Ils ont dit non. Ils ont discuté sur lui, ils ont dit non, pas du tout. Ishava Kamotzi Veitol, il devra jurer combien il a dépensé et il récupérera son argent. Amar Rabbi Dosa ben Arkinas, qui est vrai, Amar Rabbi Dosa ben Arkinas. Il enseignait comme la halakha, comme eux, qu'effectivement, il devra récupérer son argent. Tandis que Amar Rabban Yochanan ben Zakai, Rabban Yochanan ben Zakai, il a dit, il a fait Amar Hanan, il a bien dit, Hanan, il avait raison qu'il ne faudra pas lui rendre son argent parce que le cher ami qui a posé, là, le voisin qui a payé, qui a payé toutes les semaines, eh bien, il a mis son argent sur un keren azvi, sur la corne du cerf. Un cerf, un chevreuil, je ne sais pas comment on peut dire. Le cerf, le tzvi qui court très vite. Imaginez que vous avez besoin, vous êtes en forêt, vous avez besoin de vous soulager, vous trouvez un endroit pour poser votre bourse sur la tête du cerf. Alors, qu'est-ce qu'il fait le cerf? C'est une gazelle, il s'en va très très rapidement. Ouais, tu mets ton truc, rien que tu tournes la tête, il n'est déjà plus là. C'est ce que tu as fait. C'est une expression dans la Gemara pour expliquer quelqu'un qui a libéré son argent. Vous faites une transaction, vous amenez. Vous jamais vous donnez votre argent et vous laissez l'autre. Ça va pas, non? Si vous faites ça, vous êtes maniach ma'otav al keren hazvi. Vous mettez votre argent sur la tête, sur les cornes du tzvi, et le tzvi va tout de suite prendre le large et va disparaître de la circulation. D'accord? Alors la même chose aussi, toi, le cher ami qui a payé à la dette de la femme, toi, tu as mis ton argent, tu as perdu ton argent. Tu le récupéreras pas. Bon, il faut expliquer de quoi ça parle, le point essentiel. Le point essentiel, ça touche à un gros sujet de Roshen Mishpat, Porea Chovo Shel Chavero, avec ici une nuance supplémentaire qui fait que c'est un petit peu différent, mais malgré tout, le fait de payer la dette de quelqu'un d'autre. D'abord, je vous introduis quelque chose d'important. Si je vous fais quelque chose qui va vous améliorer, vous faire donner plus de valeur à votre bien, vous devez me le rembourser, vous devez me le payer, pas à plein pot, mais quand même, il y a une certaine mesure, ça c'est la souga qui s'appelle Yored et Torsde Chadroch El Travero. Vous avez votre maison qui est en piteux état, vous partez en vacances, moi je vous fais une surprise, je vais vous repeindre tout, je vais tout vous réparer, je vais vous faire une maison scintillante, merveilleuse, et quand vous allez revenir, vous allez être très content, et je vais demander que vous me remboursiez. Vous revenez, et vous ne voulez pas me rembourser, vous avez l'obligation de me payer. Je ne rentre pas dans les détails, il y a certaines choses que vous pourrez me dire, reprends ce que tu as mis, mais les choses qu'on peut vous permettre, si on reprend ce que tu as mis, vous devrez me les payer, pas à plein pot, mais à un prix réduit, deux tiers, mais en tout cas, vous avez l'obligation, parce que je vous ai amélioré votre bien, votre potentiel d'argent,
Maintenant, il coûte plus cher, il est plus en valeur à cause de moi, vous devez quand même me payer ça. Cette halakha, elle est vraie pour quand je vous apporte quelque chose, mais lorsque je vous efface une dette, je ne vous apporte rien. C'est une notion dans l'halakha qui apparaît sous plusieurs aspects. D'abord, quand j'efface, si vous me devez 1000 shekels et je vous efface les 1000 shekels, je vous les donne, je ne vous ai rien donné. J'ai juste supprimé un cassement de tête, mais je ne vous ai rien apporté. Vous comprenez la différence? Imaginez que vous risquez, quand vous allez sortir, partir d'ici, vous allez perdre plein d'argent. Et moi, je vous empêche de perdre cet argent. Je ne vous ai rien donné, je vous ai juste évité une perte. C'est le même principe. On considère dans la halakha que l'argent que vous devez à quelqu'un, hein, si toutefois je vous le donne, je ne vous ai rien donné. Je vous ai juste supprimé un cassement de tête. Concrètement, même ça s'explique même par le fait que, fréquemment, je ne dis pas tous les jours, mais on peut quand même se débrouiller pour que les dettes se fassent annuler. Imaginez que je dois une petite dette à quelqu'un, je le fais un peu tourner en bourrique, jusqu'à la fin, je lui dis, bon, on s'arrangera, viens, la prochaine fois, j'achèterai plus de marchandises chez toi, puis on trouvera une entente. Et finalement, on peut arrondir les angles et ne pas payer une dette. C'est une obligation de payer les dettes, quand même. Mais c'est-à-dire qu'une dette que je dois, ça ne veut pas dire que j'ai forcément mon argent qui est condamné à payer cette dette. Il y a des moyens de s'en sortir. Des fois où je suis tellement à la rue et en difficulté, qu'il y a les proches parents qui vont avoir pitié de moi, qui vont payer eux, ils vont me faire cadeau cet argent. D'accord? Donc ils ne m'ont rien apporté. C'est la vie de Tosfot, ça touche un gros, je veux dire, une très grosse souvière. Pour un Rosh Hashanah, on a étudié ça au Kollel pendant peut-être 2 mois, ça a pris de faire le tour de toute la question. C'est un gros sujet. D'accord? Il y a plusieurs raisons pourquoi, en tout cas concrètement, sauf d'avoir, dernière ligne, c'est si je paye une dette, j'efface une de vos dettes, vous ne me devez rien parce que vous pouvez vous débrouiller pour la faire annuler, pour au moins la faire réduire, peut-être. Arriver à une entente de manière à ce que vous ne l'aurez pas payé, lorsque j'ai passé la dette, je vous ai rien payé. En l'occurrence, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, et peut-être quelques discussions, mais en tout cas pour une femme, c'est réellement comme ça. Pas toute femme, si un homme, il part, il laisse sa femme toute seule, pas toute femme va nécessairement partir au bed-in pour faire une saisie des biens du mari pour se faire rembourser. Une femme normale, elle va peut-être essayer d'en mettre mal, elle va se dire, oh là là, elle va se faire du souci, peut-être que son mari, allez savoir si elle n'est pas mort. La pitié d'elle, elle va se débrouiller pour, je sais pas moi, un peu prendre chez son frère, qui va lui donner gratuitement, ou éventuellement partir travailler un petit peu plus, pour gagner un peu plus d'argent, pour se payer, se serrer un petit peu la ceinture, se contenter du pain et de confiture pendant la semaine, et manger un peu même avec du houmous pour le Shabbat. Allez savoir comment elle va faire. Peu importe. C'est pas ici une perte imminente qu'il a, une dépense imminente que le cher ami, là, le voisin, hein, par son bon cœur, il est venu éviter une perte. Le mari, concrètement, il aurait pu ne rien payer aussi. Même si, en théorie, il a l'obligation de payer, mais c'est pas sûr qu'il aurait payé. Ça, c'est la vie de Hanan, qui nous dit justement, donc, finalement, tu n'avais pas payé, tu n'avais rien donné à ma femme, elle se serait débrouillée, je n'aurais rien payé. Toi, tu as été le grand philanthrope qui prête ton argent, en fait. Tu vois, tu payes toutes les semaines 2 ans chez elle, tu crois que je te rembourse, j'ai que ça à faire. Je te dois rien. Va savoir si finalement ma femme, si tu n'étais pas là, qu'est-ce qu'elle aurait fait? C'est pas évident que j'aurais eu ces 200 shekels mensuels. Tu m'as rien apporté. À la femme, il peut rien réclamer parce qu'il n'a pas dépensé pour que la femme lui rembourse. Entre parenthèses, d'ailleurs, c'est rapporté même dans le Tosotium Tov, je crois qu'il rapporte ici. C'est un Ran qui explique ça comme ça. Rajba dans Nedarim. Il dit que si toutefois, lorsqu'il fait la dépense, il le fait avec l'intention de récupérer de la femme. Alors là, c'est déjà différent. Parce qu'il pourra récupérer de la femme. La femme, elle n'a pas d'argent pour payer, mais elle va se tourner vers le mari qui devra rembourser. Parce que la femme, elle peut pas s'emprunter pour que le mari paye. Mais en tout cas, là, on parle d'un cas un peu particulier où il est parti payer pour que le mari lui rembourse, pas pour que la femme lui rembourse. Et donc, comme on expliquait, « Inyach ma'otav al-keren al-tzvi » et l'alakha est établie comme ça, justement. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de « Hatzlacha » comme tout. Salam.